Voilà, donc après le château de Vertrieux, eh ben je vais vous montrer le village de Vertrieux, qui m'a fait vraiment le coup de venir visiter, vraiment, tellement ce village a du charme, avec l'autre château qui est un peu plus haut, sa petite église, et puis on va aller visiter aussi le jardin. Donc voilà, donc je me situe donc à Vertrieux. Donc là, on a vu le château, et puis donc ben voilà, donc le petit village de Vertrieux. Encore un beau site à venir voir, tellement que les maisons en pierre là sont vraiment et puis c'est vraiment un village tout fleuri, vraiment ils prennent soin de la déco ici hein. Donc là on rentre dans le jardin des simples. Je vais vous montrer un peu où on se situe. Donc on est le long du Rhône, hein, donc là on a le château neuf qu'on a vu, et puis donc on a le vieux château qui est un peu plus haut, on va le voir, vous voyez, on va le voir là-haut. Donc on est au fil du Rhône, à la pointe nord de l'île de Crémieux, en bordure du Rhône. Vertrieux se situe à l'endroit où le fleuve amorce son virage vers le sud-ouest. D'ailleurs, l'origine du nom de la commune viendrait du latin Verterie, tournée. Point de passage du Rhône par le Gouet de Lagneux et de Saint-Saul-Brenaz. Le site est occupé dès la préhistoire. La création du village remonte au XIIIe siècle, au pied du château médiéval. La commune s'allonge sur 5 km au bord du Rhône, dont elle épouse le coude. Au sud, elle s'étend sur le rebord du plateau calcaire, lui donnant l'accès à une des richesses du territoire, le coin de Villebois, une pierre de taille réputée. Alors, allez voir le jardin des simples. Les simples de Vertrieux. C'est une grande fierté et un grand bonheur pour nous tous, adhérents de l'association Les Simples de Vertrieux, de pouvoir vous présenter notre jardin des simples. En créant cette association et ce jardin, nous avons voulu faire partager à la communauté notre amour des plantes et de la nature. Donc c'est une association qui a créé ce jardin, bon, on va aller voir ça. Le jardin de Marie. Quand même, belle découverte là. Bleuet.
vraiment une variété de fleurs. Et toujours pareil avec le... On est en train de se balader dans le jardin avec toujours la vue du château. J'espère que vous en profitez parce que nous, vraiment, là, on se régale. Hein. Très, très agréable de se promener dans le jardin. C'est une belle découverte. Hein. Vous pouvez voir tout type de fleurs, de plantes, avec toutes les explications. Ils ont vraiment pris soin de tous les détails. Si quelqu'un connaît cette association, ce serait bien d'avoir 2-3 mots des personnes qui s'en occupent. Ce serait vraiment très très bien. Donc c'est une belle visite hein, du côté de Vertrieux. Le jardin des simples.
Bon, bah tiens, on va leur faire de la pub. Le dimanche 22 août 2021, de 10h à 18h, les artistes et artisans s'installent au cœur du jardin. Voilà. Donc là, vous allez pouvoir voir un événement donc au Jardin des Simples à Vertrieux. Donc voilà, je vous conseille à tous de venir au mois d'août, venir découvrir ce jardin qui est vraiment magnifique. Voilà. On va continuer la balade. Hein ? Pour monter au... Ah bon, on va aller voir. On va monter au château. Donc à première vue, pour aller rejoindre le château, ben faut passer par le jardin. On va voir. Donc ben oui, en effet. Donc on va passer par donc le jardin et retrouver donc le château fort du XIIIe siècle, Colombier. Allez, en avant. Donc à première vue, il y aurait 13 virages. On est comme à l'Alpe d'Huez. Donc les coups de fusil, ne vous inquiétez pas, c'est simplement au château ce qu'on a vécu en direct tout à l'heure, la constitution d'un camp militaire 39-45. Ah, ça fait une belle balade là, hein. Vraiment agréable. Voilà, on va arriver au château. Alors, le château médiéval de Vertrieux, aux portes du Dauphiné. Regardez un peu. Quelle belle découverte encore aujourd'hui, hein. Vertrieux est vraiment magnifique.
Alors, construit probablement au cours du XIIIe siècle, le château vieux témoigne à travers son architecture défensive de l'atmosphère belliqueuse qui régnait alors entre le Dauphiné et la Savoie. Alors, on va aller voir ça. On va essayer de se rapprocher. On va passer par cette route, ce chemin. Ça doit être par là, on continue le chemin. C'est une découverte, hein, donc là, je me guide en fonction. Joli chemin de balade, dans la forêt aussi. Il y a des chemins de partout, là. Eh ben oui, on arrive donc au château Larpiste. Alors à droite, on a, vous voyez, il y a plein de découvertes hein, dans le coin. Donc on a la glacière. Et à gauche, eh ben, château fort. Donc vous voyez, on peut faire pas mal de découvertes dans ce bois. C'est vraiment incroyable. On va peut-être juste aller voir là-bas au bout. Je vais vous faire découvrir le coin là. On reviendra un petit peu en arrière, découvrir le château. On va aller voir la glacière si c'est pas trop loin. Oui, il y a plein de chemins, c'est vraiment encore un lieu qu'on vraiment on découvre. Hein. J'essaierai de mettre les infos. De Vertrieux le maximum sous cette vidéo, mais vous voyez, on a donc là c'est la route principale hein, qui va sur Montagneux, donc du côté de la Vallée Bleue, et puis ouais, donc des chemins de balade dans les bois là, les sous-bois, c'est vraiment un joli lieu, hein, Vertrieux. Jeu de boules. Il a dû y avoir des belles parties. Voilà, donc on arrive au château Larpiste.